Bon, eh bien, nous voici chez moi de nouveau. Donc, bon, bah, alors là. Attendez, je regarde bien, c'est bon, je n'ai pas arrêté le chrono. Donc, alors, la situation à l'heure actuelle. Bon, toujours en train de fumer des clopes, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Alors, bon, je vais vous laisser apprécier cette. Non, du calme, ça ne commence pas tout de suite. On se calme. Donc voilà, c'est vous avez un avant-goût, c'est le mot, un avant-goût de la scène qui portera sur le goût, ou plutôt sur la manière de goûter. Et donc là, nous allons assister à un grand moment anthologique, je vous l'annonce tout de suite, une scène d'anthologie qui pourra faire. Attends, du calme, et pourra faire preuve de ses talents d'acteur studio. Donc si vous êtes à la recherche d'un acteur, là, Romain Christol, il est prêt à vous donner de ses services. Donc, je vais arrêter de parler. Pour fermer ma gueule d'abord, et puis pour vous laisser apprécier cette petite scène. Voilà. Donc ça s'appelle La soupe pour le titre. Voilà. Attention, Sigur Rós. Ah non, pas encore. Préparez-vous parce que la musique va être en adéquation avec le personnage là. Là, ça va être très puissant quoi ça. Les deux puissances vont se réunir, la puissance de la connerie et la puissance musicale en fait. Donc voilà, là il se prépare, c'est un échauffement, voilà. Il est bien concentré sur sa soupe, c'est bien. On le félicite d'ailleurs. Applaudissez si vous êtes derrière votre écran. Ça, on les entendra. Voilà. C'est la bonne soupe là, tiens. C'est pas mal, hein? Et voilà, comme je vous l'avais annoncé, la musique accélère. Donc là, il va se mettre à parler, il va dire de la merde. Ça va être magnifique. Il dira des trucs, mais même moi, je pourrais pas les comprendre. Mais enfin, si, je le comprendrais, quoi. C'est ça qui est énorme. Mais vous aussi, vous le comprendrez. C'est ça qui est encore plus fort, quoi. Il est compréhensible par tous. La magie de Romax, quoi. Ah, on arrive à 3 minutes. On va aller jusqu'au bout de la chanson parce qu'elle est trop bien. Terminé, je peux donner mon avis sur ce bouillon. Vas-y, on te fait un petit gros plan là. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce bouillon? Donc je l'ai trouvé particulièrement bon, mais désolé, hein. Des fois ça passe, ça a du mal à passer à descendre, mais assez bourratif, je sais pas pourquoi. Attention à la musique là. Je sais pas si c'est le coca ou Ouais, la c'est soupe. un mélange de tout, la clope, depuis de là, tout à l'heure la clope, le coca depuis tout à l'heure. Mais par contre, j'aimerais quand même manger un petit peu de solide. Alors, tu veux du solide? Alors attends, on va faire un petit tour dans mon frigo. On va essayer de pas fumer, d'enfumer le frigo. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Du fromage, tu veux du fromage? Allez, un petit peu de fromage. Allez, un peu de fromage, moi je l'aime pas trop celui-là, mais il est bon, hein. C'est du bon fromage, c'est du Du chaourf. fromage, comme je l'aime, du fromage Alors il qui te faut pue. un couteau peut-être, un couteau. Tiens, je te laisse manger ton fromage, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi Du plaisir. fromage comme je l'aime, donc Voilà. qui pue bien. Voilà, directement, sans pain, c'est pas la peine, hein. Voilà. Pas la peine, pourquoi se faire chier à prendre du pain, quoi, voilà. Le fromage, faut l'apprécier à sa juste valeur, tout seul, quoi, Exactement. voilà. Exact. Et là? On prend le temps de sentir le fromage, de bien s'imprégner les narines.
Moi, j'adore ça. Le fromage, c'est toute une passion. Et honnêtement, donc c'est du... C'est quoi ça comme fromage? Saint-Marcellin, non? Non, c'est du chaourse. Eh ben, félicitations, je sais pas où tu l'as pris, mais... Une procure de sensations énormes. Et les petits bouts de fromage qui me restent collés dans les poils du nez, et que je sente, eh ben, extraordinaire. Une croûte de fromage qui reste, là. Ah, il faut la finir, hein. Hop. Un repas équilibré. Et un dessert peut-être. Bien sûr, un dessert. Moi je pense qu'il te faut des gâteaux. T'as... Tu veux des gâteaux? Ah, Dofi. Des gâteaux. Non, pas Dofi, chut, pas Dofi. Les gâteaux sont là. Alors, bah tiens, les gâteaux. Quelques gâteaux. Alors tu pourras t'amuser parce qu'on peut faire des phrases avec les gâteaux. On peut aussi faire du cirque avec les gâteaux. Hop. Ouh, hop. Bien joué. Hop. Ah, oh, loupé. Oh là là. Eh ouais. Allez. Il y a eu de la casse. Deuxième tentative. Voilà. Oh, bien joué. Allez, vas-y, encore un petit là. Un gros cette fois-ci. Un gros, attention. Oh là là. Non, presque dans le cendrier, mais non, une, c'est bon. Une sur deux. Ouais, pas loin du cendrier. Hein. Donc 50%. Allez, 50% de réussite pour l'instant. Exactement. Oh, il était beau celui-là. Oh, il était beau. Allez, peut-être, soit, à votre avis, est-ce qu'il va rentrer dans la bouche? Moi, je dis oui, je parie sur oui. Allez. Allez. On laisse les gens parier, c'est bon. 1, 2, 3. Oh ouais, j'ai gagné. Yes. Allez. Oula, attention, là... Lancez les paris, c'est bon. 1, vous avez vendu votre maison. C'est bon. Allez. C'est parti. Hey oh, coin. Regardez, le coinçage entre les dents, quoi. Il a réussi à la bloquer entre les canines, quoi. Non. Celui-là.